Hello à tous, c'est Lingen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis entrepreneur et j'ai lancé beaucoup, beaucoup de formations en ligne et j'ai pas mal pratiqué l'infopreneuriat. Cette idée de vendre de l'information, de vendre du contenu, de vendre des formations vidéo plus spécifiquement pour gagner de l'argent et aider les clients. Et en fait, depuis un an, depuis 2 ans, mais surtout depuis un an, je me suis vraiment spécialisé dans le coaching et je fais plus d'infopreneuriat. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous montrer les avantages et les inconvénients, quoi. Faire un comparatif. Quel est le meilleur business model? Être coach ou être infopreneur? Évidemment, on va passer en revue quelques critères. Évidemment, je vais être biaisé dans le fait qu'aujourd'hui, bah, par mon vécu, j'ai une préférence pour l'un plutôt que l'autre. Mais je vais partir de certains postulats de base. Okay? Et si vous êtes dans ce postulat de base, bah, ce que je vais vous dire est pertinent. Si vous ne rentrez pas dans ce que je vais vous décrire, bah, effectivement, ce ne sera pas pertinent pour vous. Ok, on y go? Donc, moi, mon postulat de base, c'est que vous êtes débutant. Okay? Je vais le mettre, ça, vous êtes débutant. Dans le sens où vous n'avez pas lancé de business sur le web, vous n'avez pas de liste d'emails, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas des partenaires pour vous aider. Donc, la rapidité à gagner de l'argent dans le coaching et dans l'infoprenariat, eh ben, elle est beaucoup plus forte dans le coaching que dans l'infoprenariat. Pourquoi? Parce que le coaching, vous avez juste, entre guillemets, je ne dis pas que c'est facile, hein, vous avez juste à discuter avec des gens, créer des relations, voir comment vous pouvez les aider et leur offrir une session de coaching. Et s'ils veulent aller plus loin, vous leur dire, écoute, voilà, c'est X euros pour telle durée, on fera ça, ça, ça et ça. Et puis la personne vous paye et vous démarrez après. Donc c'est hyper, hyper rapide. Littéralement, vous pouvez avoir un client dans 2 heures, dans 24 heures. Je dis pas que c'est facile, mais c'est hyper rapide. Parce que vous avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin d'un bureau, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Et du coup, contrairement à l'infoprenariat, vous avez besoin de faire des vidéos. Okay? Là, alors vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos comme moi, mais là, si je vous montre un peu les coulisses, bah, j'ai 3 lumières, je suis dans un bureau, j'ai acheté un tableau blanc, j'ai des feutres. La vidéo, bah, j'ai une certaine expérience, j'ai une bonne caméra, etc. Donc, c'est pas aussi rapide. Je peux pas dans 2 heures vendre une formation en ligne toute faite. Oui, je pourrais la pré-vendre, ça c'est une chose, mais du coup derrière, il faudrait que je l'enregistre et ça prend du temps. Je dis pas que prendre du temps ou prendre pas de temps, quoi que c'est mieux que ce soit rapide ou pas, mais si vous êtes dans cette perspective, vous voulez pas attendre 3 mois, 6 mois, 12 mois pour tester un business model et pour gagner vos premiers revenus, bah, le coaching sera beaucoup plus avantageux. Je mets 2 plus et non pas 3 parce que bon, il y a quand même aussi quelques challenges. C'est pas comme si vous alliez demain faire du babysitting chez votre ami. Ok, il y a quand même un peu de complexité. Maintenant, il y a l'histoire de facilité. Donc, je vous ai dit que ça prenait du temps, ça prenait pas tant le coaching contrairement à l'infoprenariat. Par contre, il y a une histoire de facilité aussi. C'est que ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça peut aussi être très difficile à faire. C'est-à-dire que je peux vous donner tout le matériel et vous dire, allez tourner votre vidéo, mais si vous n'avez pas l'habitude, oh, faut leur installer, bien l'installer, nan, nan, nan. Et du coup, sur l'infoprenariat, bah, c'est sûr que si on compare à ouvrir un restaurant, c'est facile, mais dans l'absolu, c'est moyennement facile. Ça demande certaines compétences que vous n'avez pas forcément. Et ça, je pars du postulat de base, très important, que vous ne soyez pas un geek, que vous ne soyez pas un super orateur, et que vous ne soyez pas super à l'aise à l'oral. Parce que si vous êtes un geek, vous êtes un super orateur et voilà, vous êtes à l'aise à l'oral, ça veut dire la même chose. Bah, effectivement, ça peut être super rapide, super facile de créer un business sur l'infoprenariat. Mais si vous n'êtes pas geek et un super orateur, eh ben, le coaching, c'est hyper facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste d'avoir une connexion Zoom à distance, de pouvoir accompagner quelqu'un. Alors, le postulat de base, c'est aussi évidemment que bah, vous aimez les gens. Ça, c'est hyper important. Je dis pas que vous soyez
forcément extraverti. Pourquoi? Parce que moi, j'estime pas être quelqu'un de très extraverti. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de jouer à ma console, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'être tout seul. Mais par contre, j'aime beaucoup les gens et j'aime beaucoup interagir avec les gens. Donc si ça c'est votre cas, le coaching, ça va être hyper facile. Je ne dis pas que d'être un excellent coach, ça va être hyper facile. Mais je vous dis que pour vous lancer dans le coaching, ça va être facile parce que vous avez déjà une certaine expérience aussi de vie. Donc c'est sûr que si vous avez 12 ans, vous n'avez aucune expérience de vie, vous n'avez pas trop les gens, bah à la limite, oui, l'infopreneuriat, ce sera mieux. Si on parle de revenus sur le court terme, bah vous pouvez vendre ce qu'on va appeler du coaching haut de gamme, c'est-à-dire que demain, vous pouvez offrir 3 mois d'accompagnement à 1000 euros à un premier client. Et du coup, bah vous allez pouvoir gagner beaucoup de revenus très rapidement, très très rapidement. Par contre, sur le court terme, l'infoprenariat, je vais vous le dire, hein, j'ai même accompagné des gens sur ça. Au début, on gagne rien. Sauf si on n'est pas débutant et qu'on a une liste d'emails, etc., etc. Hein, mais quand vous débutez, vous n'allez rien gagner. Alors, l'alternative, c'est peut-être de passer par des plateformes de formation où vous mettez votre formation sur cette plateforme et du coup, ça vous attire des clients, mais vous allez vendre ça très peu cher. Hein. Moi, par exemple, j'utilise Udemy. Et je sais pas, j'ai des formations qui tournent et tous les mois j'ai peut-être 20, 30, 50, 100 euros par mois. Donc c'est très très peu. Là où vous pouvez vraiment gagner de l'argent en tant qu'infopreneur, c'est quand vous avez votre propre audience et à qui vous pouvez vendre des formations à 300, 500, 1000 euros. Mais il faut avoir une grande audience. Donc cette audience-là, elle est possible, mais si vous êtes débutant, vous ne l'avez pas. Et du coup, sur le court terme, vous n'allez rien gagner. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ben, le temps que je crée cette audience et tout, etc., je peux beaucoup gagner. Donc, les revenus sur le long terme, bah, de l'infoprenariat, là, ça devient hyper intéressant. Sur le long terme, c'est hyper, hyper scalable parce qu'une fois que vous avez tout donné votre formation, vous avez une grosse audience et que ça marche bien, surtout que là, je parle de revenus, mais si je parle de profit, c'est très, très avantageux aussi parce que une fois que c'est tourné, vous n'avez plus rien à faire. Entre guillemets, parce que entre les concurrents et votre contenu qui peut être désuet, qui peut être périmé, va falloir retourner. Donc, il n'y a pas de revenu 100% passif. Mais quand même, sur le long terme, c'est un très bon business model. Par contre, le coaching, sur le long terme, honnêtement, c'est juste un petit plus. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, et je vous souhaite, mais c'est déjà une très bonne situation, mais si tous les mois, vous avez 5 nouveaux clients qui vous payent 2000 euros par mois, ça vous fait 10 000 euros par mois, mais à un moment donné, vous allez avoir 10, 15, 20 clients à gérer et ce sera très peu gérable. Du coup, soit vous allez augmenter un peu vos prix, soit vous allez diminuer votre disponibilité et donc bah, vos revenus vont baisser. Là, vous pouvez aller gagner en… Il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez gagner des dizaines, des centaines de millions d'euros avec vos formations en ligne. Là, vous êtes limité, sauf si, et je le mets entre parenthèses, hein, je triche. Vous avez une équipe. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Mission Passion. On accompagne les coachs à créer leur business en ligne et on a une équipe de coachs. Il n'y a pas que moi qui coach. Comme ça, on peut accompagner plus de gens que si ça dépendait que de moi. Et du coup, bah là, on peut augmenter ses revenus. Donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi, peut-être que je préfère viser long terme et je préfère ça. Du coup, ça ne m'intéresse pas le court terme. Mais le problème, c'est que Keynes disait à long terme on est tous morts. C'est-à-dire que si vous mettez un an avant de gagner vos 1000 premiers euros, bah est-ce que ça vaut tous les temps et efforts que vous avez mis dedans? Donc une des solutions c'est peut-être de faire ça. D'abord vous vous lancez en tant que coach, vous gagnez de l'argent, et après sur le long terme vous créez des formations en ligne. Rien ne vous empêche de faire ça dans les deux sens. Mais par contre dans l'autre sens ça va pas être génial. Si vous lancez d'abord dans l'infopreneuriat, vous n'allez pas gagner d'argent et ça va être compliqué d'être rentable et d'être encouragé et de vouloir persévérer. Okay? Personne persévère à fond quand il y a peu d'argent dès le début. Et là, je parle d'un autre postulat de base, c'est que vous n'êtes pas bon en marketing. Ou vous êtes débutant, quoi, on va dire. Parce que si vous êtes excellent en marketing, vous maîtrisez la publicité Facebook, par exemple. Eh ben, dès le début, vous pouvez gagner plein, plein d'argent. Vous vendez une formation à 100 euros, vous mettez 20 euros de pub, à chaque fois que vous mettez 20 euros, il y a 100 euros de clients. Oui, vous pouvez aller hyper vite. Donc, ça, c'est vrai que si vous ne maîtrisez pas le marketing, mais à un niveau, un haut niveau, hein, quand je vous dis 20 euros, ça se transforme en 100 euros de formation
20 euros de pub, 100 euros d'argent en formation, là on parle d'un certain niveau et je vous recommande plutôt de recruter quelqu'un plutôt que d'essayer de faire ça vous-même parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Là, l'avant-dernier critère que je voulais vous donner, c'est la valeur pour le client. Est-ce que c'est biaisé? Je ne sais pas. Mais si vous avez déjà suivi une formation en ligne, même comparer une bonne formation en ligne et un bon coach. Je ne sais pas si vous avez déjà été coaché. Parce que si vous n'avez jamais été coaché, peut-être que ça ne va pas vous parler, ce que je vous dis. Mais je peux vous dire qu'entre suivre une bonne formation en ligne et un bon coach, ça n'a rien à voir. Et là, je serais. Ce n'est pas des croix que je vais mettre. Je serais très radical. Je serais très très radical pour vous dire que pour un client, un bon coach peut transformer votre vie en 30 jours en fait. Peut vous aider à travailler en profondeur. Pourquoi? Parce que le coaching, ça va être une interaction. Je vais vous poser des questions, je vais essayer de comprendre vos difficultés, ce que vous avez vécu dans le passé, vos croyances limitantes. On va travailler sur des choses. Une formation en ligne, alors on peut lui ajouter du coaching, hein. Moi, quand je faisais de formation en ligne, il y avait toujours du coaching en plus. Mais même en ajoutant un peu de coaching en groupe, en fait, une formation en ligne, ce sera beaucoup, beaucoup. Ce sera comme un bon livre, quoi. Okay, un bon livre où peut-être il y a la voix du gars, okay, c'est un peu plus stimulant, c'est un peu plus motivant. Mais ça reste un livre qui ne vous connaît pas, en fait. Il ne peut pas interagir avec vous. Okay? Alors qu'un bon coach, il peut. Voilà, moi, je payais jusqu'à 1000 dollars par mois pour 1h30 de coaching. Bon, c'était presque du mentorat, plutôt. Parce que ça apportait énormément de valeur. Et en plus, le client, bah, au lieu de passer 10 heures à regarder sa formation, en 1h30 déjà, vous pouvez transformer radicalement sa vie. Et puis, dernier point, c'est la contribution. La contribution, bah là, ça devient quand même un peu plus subjectif. Okay? C'est mon avis personnel, moi qui ai fait les deux. Si pour vous c'est une valeur importante de contribuer, d'apporter de la valeur aux gens, sachez que le coaching, vous allez travailler profondément. Et vous allez non seulement changer la vie de quelqu'un, mais changer la vie de son entourage aussi, parce que lui va se transformer. Une formation en ligne, vous n'allez pas avoir un impact très fort dans la vie d'une personne. Par contre, j'ai quand même mis deux plus. Pourquoi? Parce que si vous avez plus de clients, vous allez pouvoir aider peut-être plus de personnes. Ici, en coaching, vous pouvez accompagner 3, 5, 10, 15 personnes en même temps, et c'est déjà beaucoup. Alors qu'en formation, vous pouvez aider peut-être 50, 100, 200, 1000 personnes. Mais ça implique à long terme. Donc c'est pour ça que voilà, je le mettrai entre parenthèses, parce qu'à court terme, vous allez avoir très peu de clients. Et puis ça implique aussi, et moi c'est ce qui m'a gêné aussi dans la formation en ligne, et c'est pour ça que j'en faisais plus. Ça implique que tous vos clients, ils suivent votre formation. Tous vos clients, ils regardent vos formations. Et on sait tous que c'est comme un livre. Prenez votre bibliothèque, alors, sauf si vous êtes un fan de lecture, mais combien de livres vous avez lu de A à Z? Alors qu'un coaching, le client vient et il profite à fond. Une formation en ligne, pas forcément. Voilà, c'était mon avis sur comparatif coaching infopreneuriat. Je ne vais pas vous faire un truc, une conclusion avec, bon allez, on va le faire juste pour le fun. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, j'ai 15 plus et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Okay? Si on part du principe que vous êtes quelqu'un qui débutait, qui n'est pas geek, qui n'est pas forcément bon à l'oral, mais qui aime les gens et qui a un peu d'expérience et qui n'est pas bon en marketing, et que vous avez comme valeur, bah, contribution, la valeur que vous apportez à vos clients et que vous voulez avoir quand même des revenus sur le court terme, que c'est important pour vous de vous lancer rapidement et facilement. Il n'y a pas photo, le coaching, c'est bien, bien, bien puissant, mais encore une fois, c'est biaisé par ce postulat de base. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo, vous aurez des liens pour vous aider, quoi. Un lien pour vous aider à aller plus loin. Un lien vers un appel avec un membre de mon équipe qui va vous coacher gratuitement pendant 3 quarts d'heure et qui va vous aider à identifier quels sont vos points forts, où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce qui vous freine et qui va vous aider à mettre en place les premières étapes pour réussir dans votre activité de coach. Donc, si ça vous intéresse le coaching, que vous soyez certifié ou non, débutant ou non, on va vous offrir cette session et on va vous aider à aller plus loin. Allez, ciao, à très bientôt.